monde, je suis en train de vous oublier. bienvenue à une autre émission, une autre vidéo de barbecue. Cette semaine, on va faire encore une fois quelque chose de spécial, mais là avec une histoire. C'est-à-dire, on va faire des sandwichs cubains. En fin de compte, c'est des sous-marins. Ils font ça spécialement en Floride. Je crois que vous dire que la population cubaine en Floride est vraiment grosse, ça, c'est pas à peu près. Alors, il y a deux particularités. Disons que les ingrédients principaux, c'est évidemment un pain panini, avec du fromage suisse, du jambon cuit, et puis du porc rôti. À la variante que, à Miami, ils ne mettent pas de salami, et puis à Tampa, ils mettent du salami. Alors, ils ont chacun leur petite particularité comme ça. Moi, j'en ai un petit twist là-dedans, que je trouve que débile, étant donné que j'ai pas de porc rôti, de toute façon, c'est bien correct, parce que j'aime mieux du smoked meat. Je pense que vous allez aimer ça. Moi, mon préféré, c'est le smoked meat style Montréal. Alors, c'est ça que je mets. Puis, c'est une recette qu'on fait, évidemment, encore une fois, au barbecue. Mais cette recette-là, là, ça se fait bien à l'année. Un jour, la particularité, c'est qu'ils font sur des plaques chauffantes. Un peu comme ils vont faire un grilled cheese, admettons. Là, fait qu'ils font un peu ça. Moi, encore une variante, je le fais au barbecue, mais on peut aussi bien le faire au four, mais je le finis grillé sur le barbecue. Alors, on va voir ça tout de suite. Cette semaine. Alors, je pense que vous allez aimer ça. Il faut absolument que vous le fassiez. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que originalement, les sandwichs cubains, normalement, ils mettent des cornichons à l'intérieur. Moi, je ne suis pas tellement fou de ça. Encore une fois, comme on dit toujours, ça va selon les goûts. Si vous aimez ça, mettez-en un. On met toujours les ingrédients qu'on aime en finale. Fait que si vous aimez mieux la moutarde Dijon, allez-y fort. Moi, j'aime mieux la régulière. Je prends un French. La semaine prochaine, revenez, soyez des nôtres parce qu'on va faire un michoui. On va faire un michoui puis des grillades avec le barbecue que j'ai construit dernièrement. Fait que ça va être assez intéressant parce que c'est à cuisson verticale.
Puis il n'y en a pas ici. C'est carrément pas quelque chose de vu en Amérique du Nord, c'est surtout en Europe. Et vous allez voir, c'est très intéressant, c'est que c'est une cuisson qui est plus saine et puis qui est plus rapide. Fait que là-dessus, faites attention à vous autres, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!